je vais me faire transformer en K-pop idol. C'est de la K-pop. K-pop. La K-pop. Blackpink, avec de K-pop, sont plus féminins. C'est de la pop coréenne. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense que vous savez ce qu'est une K-pop idol. Je suis en Corée du Sud, à Séoul, dans ma ville préférée au monde. Et je vais avoir la chance de passer entre les mains de gens très doués. Je vais me faire relooker par un coiffeur, d'ailleurs c'est que des femmes, une coiffeuse, une maquilleuse, une photographe qui va me faire un shooting à la coréenne, vraiment avec une patte coréenne. J'ai également Reda, vous connaissez, qui m'a fait une super tenue très K-pop. J'ai extrêmement hâte, actuellement on est la veille du shooting. On va pouvoir apprendre ensemble des techniques coréennes. Enfin, j'ai extrêmement hâte. Avant de passer directement à demain, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Herborian. Je sais que d'habitude je dis cette partie de la vidéo est sponsorisée. Là c'est la vidéo, ils m'ont offert plein de produits pour pouvoir créer le look. On a préparé des petits produits pour la maquilleuse et tout. Enfin, des amours, vraiment des amours. Et c'est aussi grâce à eux qu'on peut faire cette vidéo, car ils participent financièrement à faire tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens à payer dans l'histoire. Et aujourd'hui je vais vous parler de la skin therapy, parce que clairement c'est la skin therapy d'Herborian, excusez-moi. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une huile de nuit qui permet d'exfolier, hydrater la peau, régénérer. Je l'ai testée, elle est sortie l'année dernière je crois, je l'ai testée déjà depuis plusieurs mois parce que j'avais eu les petits échantillons avant de sortir, enfin incroyable. Quand vous utilisez la skin therapy, il faut juste penser à la secouer. Je sais que vraiment genre je... Il va y avoir une bêtise. Je disais que Jérémy, je lui en avais passé plusieurs et je vous jure qu'il la secouait pas. En ayant utilisé un flacon entier, il m'a dit ah il fallait secouer. Moi je mets une pipette entière, je sais qu'il recommande d'en mettre un petit peu, je ne sais pas faire. Normalement c'est trois gouttes je crois. Et j'applique ça sur mon visage, j'aime tellement. Et après, petit coup de gua sha, vous allez voir. Bref, j'ai dû contacter une coiffeuse, une maquilleuse, une photographe. C'était galère, c'était très galère parce que ici, il y a très peu de gens qui parlent anglais, on va pas se mentir. J'ai eu la chance d'avoir la maquilleuse, normalement elle parle très bien anglais. J'avais envoyé donc plusieurs inspirations et j'avais surtout sélectionné les gens en fonction de ce qu'ils faisaient. Déjà pour voir si ça pouvait correspondre à ce que je voulais. Pour le make-up, l'inspiration c'est très Blackpink, parce que Blackpink c'est la base de tout. En ce moment clairement elles sont au max du max du max, même si c'est loin d'être le seul groupe de K-pop. Les yeux un peu genre foxy eyes, enfin incroyablement beau. Elle m'a dit c'est très bien, en revanche par rapport à toi, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que elle a adapté aussi les choses à mon visage, à ma peau, etc. Parce que bah je suis pas coréenne. Donc elle m'a envoyé ce mood board que j'ai adoré, vraiment je trouve ça incroyable. Pour la coiffure, j'ai envoyé ce mood board là. Pour moi je trouvais indispensable de faire une coiffure un peu en mode petite tresse, petits cheveux, voilà, des nœuds dans les cheveux, etc. Elle m'a direct dit c'est bien, par contre t'es un peu à l'ancienne ma vieille. Elle m'a dit ça c'est les Blackpink d'il y a plusieurs années, je te propose plutôt ça, donc qui est un petit peu plus moderne. Je lui ai dit ok pas de soucis, let's go. Pour la photographe, je lui ai demandé à la base un fond blanc. Je voulais faire vraiment mood fond blanc parce que la tenue, d'ailleurs je vous laisse le suspense jusqu'à la fin pour la tenue qui est incroyable, vraiment incroyable, j'ai trop hâte que vous puissiez la voir. Elle m'a dit que on pouvait faire des tests sur plusieurs fonds, donc elle m'a envoyé des photos, genre trop belles, vraiment les photos qu'elle fait c'est incroyable. Et j'ai choisi bleu, rouge et blanc, voilà, même si je pense qu'on va rester sur blanc, mais au moins on fait des tests sur plein de trucs. Donc voilà, j'ai trop hâte, je me fais du gua sha parce que c'est quand même un peu obligatoire pour demain, non? J'ai un shooting photo je vous rappelle. Du coup pour l'huile de nuit, parce que je vous ai pas vraiment parlé des bénéfices, mais personnellement elle m'a beaucoup aidée pour tout ce qui était petits boutons. Vraiment elle exfolie la peau, tous les petits boutons que j'avais sur le front, tous ces petits trucs qui peuvent apparaître, qui font de la texture sur la peau, ça aide de ouf. Et ce que j'aime bien aussi c'est que elle est vraiment hydratante. Donc c'est pas un produit exfoliant qui va vous assécher la peau ou vous la déshydrater. Vraiment quand je me réveille le matin j'ai la peau genre repulpée. Et je l'aime encore plus parce qu'elle glisse trop bien avec le gua sha. Vous savez je suis une addict au gua sha depuis des années. Et vraiment j'aime trop. Oh je vous ai pas dit aussi, j'ai fait mes ongles exprès pour cette vidéo à la coréenne. Je vous ai fait un TikTok et un réel dessus si jamais ça vous intéresse pour voir tout le process. C'est pas du tout comme en France, genre c'est incroyable. Bref, voilà, maintenant que je me suis trituré la peau avec mon gua sha, je suis prête à aller dormir. Regardez juste le glow, c'est incroyable. Je m'en passerai jamais de cette huile, vraiment. Si jamais ça vous intéresse, l'huile est dispo sur le site d'Herborian. Vous avez moins 20% à partir de 49€ d'achat avec le code Andy. Et ce qui est incroyable, regardez d'ailleurs, c'est un gua sha Herborian. Et ben vous l'avez offert avec le petit code. Ça vaut trop le coup, pour le coup, c'est incroyable. Et vous pouvez aussi l'utiliser en boutique, le code. Oh my god, j'allais me coucher. Et demain, code Coachella! Coachella! J'ai trop hâte. J'ai les petites tatanes. Regardez le studio, il est incroyable. C'est genre lunaire. Ah oh, mais on dirait qu'on est chez moi là. Il y a la lampe, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Et il y a la coiffeuse qui est là. On attend la maquilleuse qui arrive. Hi.
Je vais me faire un petit masque avant que la maquilleuse arrive. Une peau glowy. Vraiment, ici en Corée, plus t'hydrates ta peau, plus t'es coréenne. Tout le monde a une peau de malade. Genre, ça me rend dingue depuis que je suis en Corée. À chaque fois que je suis en Corée, je suis obsédée par la skincare. Genre, j'ai envie de vider les magasins, d'acheter des masques, de faire plein de trucs, de me mettre de la crème solaire tous les jours. Et mettre tout le temps de la crème solaire. Genre, au passage piéton, il y a carrément des parasols le temps d'attendre. Parce que c'est où les feux, ils sont assez longs. Nice to meet you. La maquilleuse est arrivée. Hi. How will you describe the Korean makeup look? There's like, I think, so many kind of Korean style makeup. Very girly. The other style is very chic and very brown and smoky, like Blackpink. Yeah, right? This is what we're gonna do, right? Yeah. And what's the most important part for you? Every part is so important. I would say eyes. Eyes? Yeah, okay. Eye makeup. Yeah, okay. I think it's a big point of makeup, okay. Real makeup, yeah. Do you know any word in French? Yes, yes. French? Bonjour. Bonjour. Bon appétit. Bon appétit. Yeah, and comment ça va? Perfect. Madame? This is nice. Oui. I've been to Paris once. Once, yeah. Years ago. I loved Paris. Really? It's so beautiful city. Yes. Yeah. Very beautiful architecture, every single thing is beautiful. Yes. Yeah. Did you eat a lot? Yes, yes. And the escargot? Yes. Yes, it was so good. Yes, this is so good. Yeah. Kind of looks weird, but yes. It's really good. What's your favorite Korean food? I like bibimbap. Bibimbap! And kimchi. Kimchi. Oh, do you eat spicy things? Yes. Not too crazy, yeah. But I like spicy. On a utilisé la lotion Yuza, ma préférée. Franchement, la gamme Yuza de Cherbourg. Pour ma peau, elle est incroyable. Genre, elle est hydratante, elle fait une peau glowy. Et quand après, je mets genre sérum plus crème, c'est ouf. Very good smell. Yes. Wow. Yeah. And there is the moisturizer. Sorbet? Yeah. Wow. This is really, really nice before makeup. You have the Super Bébé, like a foundation. Yeah, yeah, BB cream. I usually use it. Oh, already? Yeah, I already had it. Oh, before. I didn't get it. Yeah. Okay. Ah, elle utilise déjà la Super Bébé. And there is a for the eyes also, if you need. On met le contour des yeux. Elle met la crème Yuza Sorbet, ma préférée. Crème. Ça c'est vraiment la crème que je mets, genre en fait j'utilise tellement, j'en mets tellement, c'est très grave, j'en mets genre dans mon cou et tout. Je l'utilise tellement vite parce que je suis fan absolue, j'en mets même le soir avant de mettre l'huile de nuit. Wow, it feels so good. Yes. Wow, very light and smooth. Yes, it's perfect for makeup. Wow, I love this cream. Really? Wow, yeah. You have one. Yes, so I have you will it. Use it. Je lui ai fait un petit collier avec plein de produits pour qu'elle puisse les utiliser avant le shooting. Donc du coup, elle a tous les produits aussi. Do you know that before YouTube, I was a makeup artist in France? Really? Yes. Really? Yeah. Oh my gosh. How long did you? Not that much because I've done YouTube since 3 years now, but maybe 2 years makeup artist. Yes. I have it. Mais elle a tout. Elle a déjà plein de produits Herborian. C'est la CC Correct. Yeah, CC Correct. It's a green color. For redness. So for redness. I need it right now. You need it right now. Vous savez, le vert, ça corrige les rougeurs. C'est incroyable. This CC cream and BB cream is really famous in Korea. Oh really? Yeah. En même temps, c'est une marque franco-coréenne. Je sais pas pourquoi je suis étonnée. Je sais que la marque est encore plus connue en France et la BB crème, elle est trop connue aussi. Voilà. Elle met un petit peu de correcteur. Je pense qu'elle doit pas être habituée à avoir des gens avec autant de cernes parce que les coréennes, elles ont pas de cernes. Par contre, j'ai grave un bon teint alors qu'elle a pas encore mis de bébé, genre c'est ouf. Elle utilise la BB crème. Donc il y avait le choix entre la Super BB et la BB. Je pense que en vrai, ils aiment bien les teints assez naturels. Donc je pense qu'elle veut, parce que la Super BB, elle est vraiment plus couvrante. Donc je pense qu'elle veut un truc plus naturel. Donc elle utilise la teinte nude sur moi. Et bah vous savez que j'avais grave peur. Mais en fait ici elles ont le teint très très pâle, bah parce qu'il y a tout un truc avec le soleil et puis déjà elles ont la peau pâle de base, mais elles se protègent énormément du soleil. Et en fait l'année dernière j'avais fait une masterclass, enfin bref, j'avais vu un make-up, la maquilleuse elle avait maquillé genre super pâle. Bon, le make-up était incroyablement beau, mais c'est vrai que c'était plus pâle que son teint, donc j'avais grave peur qu'elle prenne la teinte claire qui en vrai me va, hein. Mais là après la teinte nude c'est ma teinte parfaite, donc je suis trop contente. J'avais peur d'être un petit peu pâle. Your skin so flawless. Oh yeah. Thank you. I love your skin. Thank you.
mignon. Elle est trop gentille. Arrête de me faire des compliments, je vais te croquer, j'aime trop. Elle met un fard à paupières en crème marron. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle va me faire, genre vraiment, je pense que ça va être trop beau. Elle va me coller des espèces de strass et tout. Attendez, regardez juste ma peau. À quel moment c'est aussi incroyable. Beautiful. Yes, I got it. J'ai trop hâte de voir le résultat. J'ai envie d'accélérer le temps là. Il y a un truc ici, un test de personnalité un peu, mais tout le monde le fait. En fait, j'ai vu un TikTok à propos de ça. Genre, en gros, limite les mecs, quand ils draguent les meufs, ils demandent ce que c'est leur MBTI. Et c'est genre, c'est genre un test de personnalité. Et genre, ils ne parlent que de ça. Genre, littéralement, ils font leur rencontre qu'en fonction du test MBTI. C'est très grave. Du coup, là, elle vient de me demander ce que c'était. Je vais lui inventer le meilleur résultat. C'est grave, foncé les yeux, je kiffe. Elle a grave mis du fard en bas. Par contre, elle a genre une technique. Moi qui étais maquilleuse, je peux vous dire, je le vois. Un sens du détail, c'est incroyable. En gros, elle a un gros recouvre-cils normal et elle a un mini pour les petits angles. Et son mascara, really very tiny. Yes, for detail. Regardez. Yeah. Oui, c'est tout minus. Là, il y a trop une patte coréenne. Genre, je le vois, mes yeux sont pas pareils. Et même, elle a mis du mascara en dessous. Je sais pas si vous allez voir. C'est grave un... Vous voyez? Genre, c'est vraiment trois... Mes cils, ils sont pas en paquet, mais genre bien faits. For... Have you done? I've never seen that. This is the K-pop style. Hard. Your lashes like that. Because it's hot. Yeah, it's hot. Attendez, je suis sous le choc. Mais le résultat, par contre, regardez la diff entre les deux yeux. Là, j'ai l'impression qu'on voit mieux. Mais c'est ouf. Mais c'est dingue! Avec une petite pince à épiler, elle a fait un par un. Elle a mis du mascara dessus, mais c'est dingue le résultat. Et là, elle remet une couche de mascara. Elle me met de l'highlight dans le coin interne. En fait, c'est ouf parce que c'est grave comme d'hab. Genre, c'est un liner un peu fumé avec de l'highlighter dans le coin interne. Mais la technique est différente. Là, du coup, elle avait fait un peu un liner fumé. Elle a repassé avec un vrai liner. Et là, elle le fume vraiment avec du fard à paupières noir. C'est trop bien fait. J'ai remarqué un truc pour les cheveux, ils sont tout pour le volume aux racines. C'est choquant. L'autre fois, quand je me suis fait coiffer, il a passé 95% du temps à travailler le volume. 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 Oui, volume. Différence, regardez à gauche le volume par rapport à droite. Improbable. C'est splash. Crème. Elle parle que français maintenant. Elle le met grave proche des yeux et du nez. Et c'est toujours avec cette éponge, je vais aller en acheter. That's different with the western makeup. Korean do the brush like center. Yes. Not side. Ils essayent vraiment de le centrer sur le visage. Vous voyez, c'est genre vraiment ici. It's close to the under the eye. Yes. Yes, yes. Ça commence à vraiment prendre forme. Et encore, il manque toutes les strass et tout pour que ça matche avec l'outfit. Vous allez voir l'outfit. C'est Reda qui l'a fait. On s'est fait prêter des trucs et tout parce qu'on voulait vraiment faire un truc de ouf. Par contre, je viens de penser au fait que dans la tenue, il y a un col roulé, je me suis pas changée. Il me met de la colle pour les paillettes. C'est ultra précis. Change. Ok, donc je dois me changer. Elle y a pensé pour moi. On l'a en col roulé, regardez, avec plein de paillettes. C'est pour ça qu'il y a plein de paillettes sur mes yeux. Et après, j'ai deux petites choses. J'essaie de trouver parce qu'en fait, la photographe et la coiffeuse, elles ont ramené d'autres tenues. Alors que j'ai rien demandé. Au cas où je voulais faire une autre tenue. Genre, c'est incroyable de faire ça. Par-dessus le col roulé, on va mettre un espèce de corset. Je ne sais pas comment ça va rendre. Et ensuite, une jupe bien trop courte pour la mettre dans un autre pays que la Corée. Et il manque un dernier élément. Venez avec moi, les chaussures. Clairement, je ne les remettrai jamais. Vous êtes pas prêts, je vais aller me changer. Oh, oh my god! Is it nice? Look at you! Voilà ma tenue. Tout le monde va hyper vite, on dirait que genre là j'ai un show de K-pop qui commence dans une heure. Elle me met de la poudre dans mes cheveux. J'ai une calvitie, c'est ça? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Vous voyez comment c'est fait mes cheveux? Voilà, vous voyez. Et bah là, elle me met du make-up. Par contre, c'est incroyable, je vais faire ça tous les jours. Regardez, j'ai plus de trous. Elle me fait des tresses derrière. Les cheveux, comme je m'y connais pas du tout, je l'ai vraiment laissé un peu. J'avais des petites inspi. Donc, on va voir comment ça marche. Je pense que ça va être très stylé. I found what I like, French font. Elle me montre des. L'impératrice. L'impératrice. Vous connaissez l'impératrice? Non. Oui, dans le. Angèle.
Do you know that she's my friend? Oh! No, no, no. What? I'm just kidding. No. Oh my god. Aya Nakamura? Yeah. I don't know. You don't know? Yeah. ODD. ODD? Wow. You're gonna be shocked. I felt power? Yes. Really? Yes! What a cool. Is it allowed? Yes, but only for them. Oh, only for them, okay. En gros, ça c'est la première étape de la coiffure. On peut la laisser comme ça. Moi j'avais demandé d'autres trucs. Mais là, comme mes cheveux ils sont genre pas plaqués, elles veulent faire des photos avec du vent. Ok, ready to be K-pop idol. S'il vous plaît, donnez-moi une coupe de champagne, genre. Il y a tellement de monde qui me regarde, ça me stresse. Je peux pas vous expliquer ce qu'elle m'a fait aux cheveux, genre là, je sais pas. Je lui ai demandé de cacher mes oreilles, bien sûr, parce que j'ai clairement pas des petites oreilles. Et là, elle me met des... Oh non, j'aime trop. Des petits nœuds dans les cheveux. Voilà le look final. Regardez, elle m'a prêté ses boucles d'oreilles, c'est des petits diamants. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais ça va beaucoup mieux. Le make-up, elle a rajouté des petits strass ici. Je trouve ça magnifique. Et la coiffure, mais en fait, j'ai les cheveux tout lisses et elle a fait des tresses et elle a mis 3 nœuds dans chaque tresse. Genre des derrière. Regardez. J'ai les cheveux genre tout lisses. Bref, j'adore. Tout le monde m'attend. On a fait les photos. Franchement, je suis trop nulle pour poser. Genre, tout le corps, je suis vraiment trop nulle. Genre, je suis comme ça, ça va pas. Et par contre, le visage, j'y arrive plus. On a fait plein de photos close-up trop stylées. Et du coup, elles veulent que je change de tenue. Donc, c'est pas moi. Elles sont en train de la passer littéralement. Et on teste, genre, d'autres. Enfin, je sais pas. Je sais même pas ce qu'on faisait. Ok, je vous explique la situation. Elle fait des petites retouches avec la super bébé. Non, c'est même pas la super bébé. C'est la bébé crème. On est en train de se dire qu'on préfère potentiellement cet outfit parce que les photos sont trop stylées. Donc, on est en mode, on va tout re-shooter alors qu'il est giga tard. Pour moi, on avait fini. Mais ça va être incroyable, genre comme ça, on a toutes les options pour avoir le lot de photos parfait. Ça y est, on a terminé. C'était incroyable, franchement, les photos, elles sont sorties à l'heure où cette vidéo sort. Allez voir sur Insta, j'ai extrêmement hâte, genre ça va être incroyable, vraiment incroyable. Je suis choquée, elle est trop douée, enfin elles sont toutes trop douées. La photographe, la maquilleuse, la coiffeuse, et tellement aux petits soins, genre le moindre petit détail, le moindre petit truc, elles sont tout le temps là. Je vais me changer et je crois qu'on va aller faire un barbecue. Vous savez, les barbecues en Corée, c'est la base, et la maquilleuse, elle est en mode, j'ai faim, j'étais en mode, moi aussi. Par contre, le temps... Enfin, excusez-moi, vous avez mon pour une forceuse, mais ça m'a absolument pas marqué tous mes pores et mes ridules parce que vraiment j'ai grave des pores et des ridules maintenant. En gros, elle a utilisé ce produit, ceux qui s'intéressent. Et pour plus de couvrance, vous pouvez aussi utiliser celui-là que personnellement j'aime beaucoup, beaucoup. On dit au revoir au studio. C'était une trop bonne journée. Maintenant, on s'en va. La table, elle est blindée à craquer. La soupe kimchi. Oh oh, je me suis passée. On va goûter la soupe kimchi. Je pense que vu la couleur, c'est très spicy. Il n'en prend pas. Moi, je mange épicé. Le kimchi, genre, c'est épicé. Mais là, c'est genre, elle m'a dit que c'était beaucoup plus épicé que d'habitude. Et elle me dit qu'elle, elle sent rien. Excusez-moi. Les gars, ils m'ont fait faire un sandwich avec tout. Je dois tout mettre dans ma bouche, mais je vais crever. Everything. C'est bon. C'est vraiment bon. Thank you so much. See you. Thank you. Yeah. We can do another barbecue. Thank you. Bye. Regardez où on est. Les vrais se souviennent. Les gaufres de Hongdae, la base de toute une vie. Vous prenez une gaufre chantilly, Nutella, fraise. En fait, la chantilly ici, elle est pas normale. Elle est lunaire. Avec un supplément chantilly, j'ai envie de dire. J'ai faim. Regardez juste, s'il vous plaît. Il a pris extra crème, il veut le dire à tout le monde. Ouais. Vas-y. Regardez-moi manger ma gaufre. Oh là là. La crème ici, elle est genre hyper épaisse, mais hyper légère. C'est super chelou. C'est incroyable. Enfin, je trouve que c'est meilleur qu'en France. Trop bon. Trop bon. Voilà comment ça se passe en Corée.
Je suis de retour à la maison. C'était incroyable cette journée, franchement j'ai trop kiffé. En fait c'est trop des bonnes rencontres. Genre là elles étaient toutes trop gentilles. Je pense que les photos ça va être une dinguerie. Mais vous avez trop de chance, vous les avez déjà vues si vous êtes allé sur Insta. Moi pas encore. Qu'est-ce que vous avez pensé de mon look de transformer en K-pop? Vous avez préféré le premier haut ou le deuxième? Dites-moi. Je sais toujours pas ce que je vais poster encore entre les deux, parce que du coup on a shooté les deux. Toi t'as bien aimé ou pas? Ça change d'habitude. T'as jamais eu un truc aussi bien fait. Les cheveux ils étaient incroyables aussi. Comme il y avait des informations dans tous les sens, je sais pas ce qu'elle a fait. Genre j'ai même pas capté, mais elle a dû mettre un produit, un truc, je sais pas, c'était incroyable. Genre vraiment mes cheveux. Genre regardez les bourbées que j'ai. J'ai jamais de la vie j'ai eu ça. En tout cas, je remercie profondément Herborian qui a quand même participé aussi un peu à tout ce projet et qui a fait en sorte que ça puisse se faire. Vraiment merci à eux. N'hésitez pas à checker leur info parce qu'il y a tous les liens des produits, de tout. Enfin, vous le savez très bien, je vous en parle depuis 10 ans d'Herborian. Les produits sont incroyables. Vraiment le teint que ça fait, c'est ouf. Même encore là, des heures et des heures et des heures plus tard. Je pense que c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire parce que c'est une vidéo un peu spéciale. Et nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo en Corée. Activez les notifs.